Hey, boss, I'm gonna show you a bird. That's all. Bird, you say that's all, though. That's your bird. That's your bird. That's your bird, but where's that again? Ça fait bien d'avenir, que la neige part. Hey, bird, ça fait ici pour mes 5 ans là-bas, là. J'espère que on n'en parle pas seulement au 25 avec les autres, j'espère. C'est valable, bird, là. J'espérais, il y a quoi à dire à bird. Hey, bird, c'est juste pour te souhaiter je te dis félicitations pour ton 25e village. Les gars, en Floride. Tu as travaillé fort pendant 25 ans pour te féliciter au nom de la gang. Merci, Fern. On attend ton tour au mois d'avril. Cher Fern, il me fait tellement plaisir de voler quelques instants de ce moment si spécial pour vous dire que l'hommage et l'appréciation que vous recevez aujourd'hui, vous les méritez grandement. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on se croise de façon régulière et pour moi, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, merci de votre confiance. Votre sens aiguisé des affaires, accompagné de votre grand sens des valeurs familiales, que vous partagez si bien avec Claire d'ailleurs, font de vous cette personne si appréciée. Mes plus sincères salutations et bravo pour tous vos accomplissements. Bonjour. Fern, bon 25e. J'ai rencontré Fernand à Gatineau au mois de septembre, à la sortie du club provincial Winnipeg. J'ai demandé à Fern s'il y avait de la place dans son camping au lac Okeechobee. Alors Fern me répond, « Ah, dit sûrement, on va trouver sûrement un terrain. » Sacré Fern, il y en avait 248 à vendre. Merci, Fern, pour toutes ces 19 belles années que j'ai passées chez vous. Et je te remercie sincèrement. Julien Paquette, Lot 41C. OK, moi, je me présente, Louise-Anne Mallette. Ah, puis moi, c'est Claude, évidemment. Tout le monde me connaît dans le parc. Alors, on veut vous partager une surprise qu'on a eue inattendue en 2002 quand on est arrivé dans le parc. On devait être ici pour 2 mois, et puis d'une façon inattendue, on est obligé de retourner après 3 semaines. Et là, on était vraiment déçus de ça parce qu'on aimait beaucoup le parc. Alors, on a dit, on va aller informer Fernand qu'il faut qu'on parte. On n'a pas le choix. Alors, on n'a pas fini notre phrase. Et bien, il dit, il n'y a aucun problème, on va vous remettre votre argent pour le temps que vous n'avez pas utilisé. Et là, on n'en revenait pas. Si on ne venait pas lui dire ça pour qu'il nous remette notre argent. Mais là, écoute, on était vraiment impressionnés de ça. Puis c'est ce qui a fait que nous autres, on a eu l'occasion plusieurs fois depuis autant de temps, depuis 14 ans, là, de partager cette anecdote-là avec le monde. Puis en plus, on leur a dit que le paradis était vraiment ici, à Héritage Village. Encore une fois, merci, Fernand, de nous avoir donné cette opportunité-là de connaître le parc. Quand mon épouse a dit qu'elle s'appelle Louise-Anne Mallette, vous allez sûrement tout être surpris parce que tout le monde la connaît sous le nom de la grosse dans le parc, ça c'est sûr. Moi, c'est Claude Mallette. Fernand, tout ce que ma femme a dit, c'est vrai, mais il y a une chose qu'il faudrait que... Tu as des mauvaises habitudes. Tu sais, tout le temps dire à tout le monde quand il arrive, vous êtes rentré ici, vous êtes fini, vous ne sortirez plus. Faut pas dire ça. C'est vrai, mais faut pas dire ça comme ça. Il y a du monde que tu vas les frustrer quand tu lui dis ça. Mais c'est vrai. Tu nous as dit ça à nous autres, ça fait 12 ans qu'on est là. 14 ans. 14 ans. Depuis 2002 qu'on est là. Alors, mon cher Fernand, l'hommage que tu t'es donné à soir, tu la mérites à 500%. Et on est de tout cœur avec nous autres. On est en quelque part en Californie. Et on est en bonne santé, tout va bien, on est content. Puis on vous souhaite bonne chance à toi et à ton épouse seulement. Merci. Bonsoir, Fernand, et à vous tous, amis d'Héritage Village. La première fois que j'ai visité ton parc, Fernand, au tout début, tu te rappelles sans doute ce que je t'ai dit, que jamais je n'achèterais un terrain dans ton parc en te disant qu'il n'était pas beau. Mais chaque année, je louais quand même un terrain pour 1 mois. Après 4 ans, le parc devenait tellement beau, les terrains se vendaient comme des petits pains chauds. J'ai presque supplié pour en acheter un. N'étant pas visionnaire comme toi, Fernand,
pour avoir attendu, il m'a coûté 10 000 de plus. Même que si j'avais eu une once de ta vision, il aurait fallu que j'achète à ce moment-là plusieurs terrains dans ton parc. Nous sommes nombreux à avoir apprécié la vie à Héritage Village. Pour ma part, j'y ai passé 20 belles années, et ce, grâce à toi. On ne peut qu'être admiratif devant ton côté visionnaire, ton entrepreneurship, ta détermination et ton courage. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de te rendre hommage. Je te dis bravo, Fernand, pour cette si belle réussite. Tu peux être fier. Excuse-moi, là, Fernand, si je vais lire ce que j'ai à te dire au cas où j'oubliais quelque chose. Rendu à notre âge, on oublie. Que veux-tu? C'est un des bobos de vieillissement, n'est-ce pas, papa? Ah, bon, tu dis bien, je suis obligé de t'approuver. Bon. Le rêve que tu avais visionné il y a 25 ans s'est réalisé. Le champ de vaches qu'il y avait à ce moment-là est disparu. Et tu as fait le plus beau parc de la Floride. Le parc n'était pas seulement pour les gens riches et célèbres, mais aussi pour tous les gens qui voulaient passer un chez-soi pour le temps d'hiver. Mais pourquoi que nous avons choisi le parc Héritage, le champ de vaches? Il faut savoir aussi que quand même les vaches étaient à l'autre bord de la clôture. Nous avions parcouru la Floride du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour enfin aboutir à Kijiwi. Bon, c'est ici qu'on va s'installer pour l'hiver. Félicitations, Fernand, et merci pour les 20 ans que nous avons passés avec vous et nos amis. Je t'embrasse et bonne chance. Il faut que ça se fête. Félicitations pour cette belle réussite. Nous avons été avec vous autres pendant 20 ans. Ça a été de très, très belles années. Faire des patates frites avec des oignons et des hot dogs avec Alain et Ghislaine. Et notre cuisinier, chef cuisinier, Jean Charbonneau, puis on a épluché des carottes. Alors, je te dis encore une fois merci pour les belles années de JC et de Jules César. Ha, ha, ha. Salut, Fernand et Claire. Bravo pour les 25 ans de travail accompli. On est très fiers de vous. On vous aime. On espère que vous allez avoir une longue vie encore au Parc Héritage Village. J'ai aimé les années de président. Bon 25e à tout le monde. I drink to that. Avec joie que j'ai accepté l'offre de Gilles Larose de rendre hommage à Fernand, même si Thérèse et moi sommes encore en voyage pour un mois environ. Lorsque nous avons pris notre retraite, Thérèse et moi, nous nous sommes achetés un motorisé afin de visiter plusieurs parcs en Floride et de s'installer dans celui qui nous plaisait le plus. Le premier que nous avons visité fut Héritage Village, puisqu'on connaissait déjà quelqu'un de ce parc, Janine et Nelson Bien notamment. On ne s'est jamais rendu au deuxième parce que le parc Héritage Village correspondait à 100% à ce que nous recherchions. La vie en français, la tranquillité, la beauté, etc. En 1998, à notre première année dans le parc, en allant jouer au golf à Sebring avec trois autres partenaires, on jasait du parc dans l'auto. Je dis à un moment donné que Fernand devait être très fier de son parc. Un de mes camarades de golf me dit d'un ton un petit peu sec que ce n'était pas son parc, mais notre parc. Je lui ai alors répondu ceci. Si je n'existais pas, le parc existerait. Si tu n'existais pas, le parc existerait. Mais si Fernand Larose n'existait pas, le parc n'existerait pas. Je crois qu'il a compris mon point de vue puisqu'il ne m'en a jamais reparlé. Mais il avait un peu raison de parler de notre parc puisqu'il est évident que Fernand n'aurait pas pu rendre ce parc si beau et si intéressant sans l'aide d'une armée de bénévoles qui, comme des fourmis et des abeilles, ont travaillé sans relâche pendant 25 ans pour améliorer ce parc année après année et en faire, et de loin, le plus beau parc de Canadiens français de la Floride, sinon de la planète.
lorsque Fernand aura quitté cette terre pour un monde supposément meilleur. Il aura laissé un merveilleux héritage aux 450-500 Canadiens français qui continueront de jouer de ce parc pendant des décennies et des décennies. Peut-être qu'un jour, nos enfants et nos petits-enfants en profiteront à leur tour. Merci Fernand de m'avoir permis de vivre toutes ces belles années avec mes compatriotes. Il t'a fallu avoir du guts et pas à peu près pour réaliser ton rêve. Mais la réussite de ton projet a permis à des milliers de gens de passer des hivers absolument formidables et fantastiques dans un univers où tout le monde se sentait chez eux. Encore une fois, merci Fernand. Merci Fernand. Marcel Auger et Thérèse Labelle, 36C. Oui. Non, pour le Fernand, je suis bien content d'être avec lui, puis en cours avec lui, puis... C'est bon. Gèle. Vous voulez? Cher Fernand, notre première rencontre fut une belle sortie avec le club Winnipeg. Cela était dans les années 1930. Et nous sommes devenus des amis instantanément. Tu es même venu à Ursulif pour célébrer notre 40e anniversaire de mariage. Très beau geste d'amitié. Ensuite, nous sommes partis environ 2 mois pour un beau grand voyage en Alaska. À Orange Isle, à Daytona, nous sommes retrouvés ensemble pour quelques semaines. Et te souviens-tu, Fernand, ton installation des chaises sur ton terrain parce que nous avions un prêtre qui venait dire la messe les dimanches. Par la suite, à Okeechobee, Fernand avait acheté une maison à Oasis et nous avions campé chez lui pour quelques jours. Tu avais même pensé agrandir le terrain d'Oasis pour y faire des terrains tout spécialement pour les motorisés. Tu as laissé tomber le projet là quand mon frère Donald nous avait parlé qu'il y avait en arrière du Winn-Dixie un parc avec quelques maisons mobiles et beaucoup de terrains vacants. Il était à vendre, raison reprise de banque. Ta décision fut assez rapide. Tu as commencé les démarches pour l'acquérir. Tu avais une vision et tu n'hésitais pas à en parler pour en faire la publicité de bouche en oreille. Après toutes ces années, c'est encore la meilleure publicité. C'est ça, Fernand? Te souviens-tu, Fernand, que tu avais invité le club Winnipeg à venir passer du temps dans le parc pour le faire connaître? Tu voulais bien les recevoir aussi. Une petite équipe avait préparé de la bonne bouffe. Un dicton dit que si nous voulons attirer un homme, il faut les prendre par son estomac. Amis depuis plusieurs années, nous sommes Nelson et moi très heureux d'être encore ici depuis 26 ans que le temps passe vite. C'est ça. Bonjour, Fernand et Claire. Nous avons été désolés de ne pas être présents pour le 25e. Salut Fernand. Je suis fier d'avoir eu la chance de travailler avec toi, mais tu as mis beaucoup de ton temps et du travail. Félicitations, tu as réalisé ton rêve. Nous sommes fiers de ce beau parc. Nous avons de très beaux souvenirs ensemble. Bravo Fernand pour ton courage, ainsi qu'à Claire pour t'avoir appuyé dans toutes ces années-là. Avec toute notre amitié, on vous aime beaucoup. Gros câlin, merci pour tout ce que vous avez fait. Bonne soirée et bonsoir à tous. Bye bye et à la prochaine. Bonsoir Fern. Bonsoir Fernand. Ghislaine et moi profitons de l'occasion pour te souhaiter un très heureux 25e anniversaire en tant que fondateur et promoteur du très beau parc Héritage Village. Un parc où nous avons compris
que par le biais du bénévolat, nous pensions atteindre nos objectifs. Ta formule gagnante, Fernand. Que la lune est belle ce soir, comme ton amour file entre mes doigts. Alors que le parc était dans nos conditions embryonnaires, qu'on jugeait de rêve à l'époque, tu nous as convaincus avec raison de croire d'investir dans ton projet et de persévérer vers l'avenir comme tu l'as tant démontré toi-même. Merci, Fernand. Un parc comme héritage village où règne chaleur humaine, amour, respect des autres et entraide, continuera toujours de grandir et d'accueillir de nouvelles figures. C'est tout en ton honneur, mon frère. Un petit crochet à droite, un petit crochet à gauche, un autre crochet à droite, puis un autre crochet à gauche. Les hommes vont au milieu, les femmes à la ceinture. Tidlidli, tom, tidlidli, ça commence à avoir de l'allure. Tous les beaux souvenirs, les bons moments vécus et les 17 belles années servies au Parc Héritage resteront gravés dans notre mémoire. Merci de ton encouragement, Fernand. Pour terminer, un très heureux 25e anniversaire, Fernand. Toi et Claire, soyez heureux et longue vie. Maintenant, je demanderai à tous ceux et celles qui festivent avec toi ce soir, Fernand, et qui te demandent de par leur présence, leur support. Alors, je demanderai à tout le monde de se rallier à nous pour le symbole de la joie et de la réussite. Hip, 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 hurrah, trois fois. Hip, 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 hurrah! Hip, hip, hip! Oura! Hip, 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 oura! Bye, Fern! Salut, Fern! Take care! Ciao! Ma et j'y reviens toujours.